Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Lana et son Bouya. Alors aujourd'hui, on va jouer à un jeu Ravensburger qui s'appelle Tempo Kleine Fisch, qui s'appelle aussi en français Allez petit poisson, allez. Et en japonais, Osakana-kun. Osakana-kun, oui, mon petit poisson en japonais. Alors c'est un jeu de Gunther Burkhardt, si je me trompe dans la prononciation, vous m'excuserez, illustré par Gabriela Silveira. Et c'est un jeu donc, qui se joue, comme je vous l'ai dit, de 3 à 7 ans, donc c'est déjà au-delà de l'âge... Lana a déjà dépassé cet âge-là, nous aussi probablement, même si à l'intérieur j'ai un peu moins de 7 ans des fois. Enfin bref, c'est un jeu qui se joue très très vite, ça se joue jusqu'à... Je pense qu'il n'y a pas de limite de joueurs puisqu'on choisit une équipe, soit les pêcheurs, soit les poissons. Vous verrez, c'est très mignon. C'est un jeu qu'on conseille à tout le monde, surtout pour les gens qui ont des enfants en bas âge. Lana, tu commençais à jouer depuis... Tu as commencé quand tu avais 3 ou 4 ans, je pense. Et on a joué beaucoup, beaucoup. Allez, on se retrouve pour la partie. Je suis sûr que les poissons vont gagner, comme toujours. A tout de suite. Alors, on va jouer à... Tempo Kleine Fisch. Allez, petit poisson. Alors, c'est un jeu qui se joue de 3 à 7 ans. Donc, c'est un jeu qui est déjà pour les plus petits. Et vous allez voir, le principe est très simple. Il y a 4 poissons au milieu de la rivière. Et il y a 2 pêcheurs. Donc, un pêcheur rouge, un pêcheur vert et un poisson jaune, bleu, rose et orange. Évidemment, c'est toutes les couleurs qui sont représentées sur le dé. Alors... Ce qui va se passer, c'est que d'abord, les joueurs vont décider s'ils veulent jouer pour les poissons ou pour les pêcheurs. Alors moi, je vais... Les poissons. Takako. Pêcheurs. Nana. Les poissons. Les poissons. Donc nous sommes deux avec les poissons. Si plus de poissons réussissent à s'enfuir que de poissons pêchés, les poissons l'emportent. Si par contre, les pêcheurs réussissent à pêcher plus de poissons que de poissons qui se sont enfuis... Les pêcheurs remportent la partie. Si 2 poissons se sont enfuis et 2 poissons se sont fait pêcher, la partie et on est tous ex aequo. Allez, c'est parti. À son tour, on lance le dé tout simplement et on avance. Allez, hop. Donc, rouge. Je suis avec les poissons, mais malheureusement, les pêcheurs avancent, donc on enlève une partie de la rivière. Bleu. Bleu. Ah, merci. À toi, Lana. Rose. Oh, allez les poissons. Les poissons. Ah non, mais j'arrête pas de faire les pêcheurs, je suis avec les poissons. En fait, au fond de mon cœur, je suis un pêcheur. Pardon. Oh non, oh non. Oups. Rose, et arrête de taper les poissons, s'il te plaît, t'as pas le droit. T'es méchant. Hein. Ah bah toi aussi, t'es avec les pêcheurs, en fait. Ah, y'a bye. Ça craint, ça craint, ça craint. Oh mais non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? C'est une catastrophe. Allez, jaune ou orange. Allez, allez. Non, on va perdre en 3 secondes et demie. On va perdre en 3 secondes et demie. Lana, help. Allez. Poisson jaune. Ce soir. Orange. Ouais. Allez, petit poisson. Bleu. Ouais. Allez, petit poisson. Jaune. Allez. Jaune. Mais qu'est-ce que tu fais, jaune? Il fait la sieste, je pense. Il a oublié qu'il devait partir. Bleu. Les poissons commencent à se réveiller. Ils ont peur des pêcheurs. Orange, oui. Allez, jaune. Allez, jaune, sors le jaune, là. Oui. Ah, les pêcheurs, ils font la tête, là. Hein. Ils vont rien manger ce soir. Bleu. Eh, mais on est bien, là. Rose, merci, les pêcheurs. Orange. Ouais. Wouhou. C'est la course. C'est... Oh. Ouais. Eh, on peut plus perdre, là. C'est pas possible. Non, les jaunes. Les pêcheurs avancent. Le jaune, il est tout seul. Oh, mais le jaune, c'est un peu une feignasse. Ouais, celui-là est sauvé. On a déjà sauvé le poisson orange, ça c'est cool. Okay. Le jaune, hey, good timing. Rose. Je pense que le jaune, il se réveille que quand c'est dangereux. Vas-y. Vert, tu vois, je suis sûr que je vais faire jaune. T'es prête? Allez, 1, 2, 3. Oh, il est cassé, là, on relance. Hein. Bleu, non, on n'a pas triché, pas du tout. On est... Oh non, orange. Attends, parce que je sais plus ce qui se passe quand on fait déjà un dé qui est... Ah non, on enlève. Donc le poisson jaune s'est fait capturer. Ah mais le jaune, bah oui, mais le jaune il fait rien, il avance pas, il reste à la maison à dormir là. Bah c'est trop tard. Donc ça avance. Il nous faut bleu et rose. Non.
Ah. Allez, on fait bleu et rose d'affilée. Bleu et rose d'affilée. Allez. Oh. Oui. Ah. On sera égalité dans tous les cas. Oui. Yeah. On a gagné, les poissons ont gagné. Yeah. Sauvetage, les poissons. Tiens, méchant pêcheur. Du moins, il y a un poisson jaune ce soir. Un poisson à deux, c'est pas beaucoup. Hein. Attends, j'ai sorti le jaune. Et voilà, les poissons, ils ont gagné. On a gagné, hein. On a bien joué. Hein. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas gagné contre maman. Hein. Maman, elle joue toujours les pêcheurs parce qu'elle aime bien attraper les poissons. Elle n'est pas très gentille avec les poissons. Je sais pas pourquoi, elle aime pas les poissons, je pense. Bon, alors, voilà, nous avons gagné hein, la team des balèzes, comme d'hab, les poissons super balèzes. Il n'y avait que le poisson jaune hein, qui était un peu fainéant, il voulait pas partir de chez lui, il s'est fait pêcher, tant pis pour lui. De toute façon, on l'aimait pas. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce jeu? J'adore. Pourquoi? Parce que... Ok, c'était vraiment très intéressant. Parce les poissons, ils sont mignons. Les poissons, ils sont mignons. Et là, vous voyez que la maman s'est vengée. Elle a mis tous les poissons dans le bateau des pêcheurs. Moi. Ah, c'est toi? Mais tu veux pas que les poissons, ils quittent la rivière pour l'océan? Et à part ça? J'aime bien le... Ouais, le gadget du bateau est très sympa, parce qu'on met le bateau, en fait, dans un... comment dirais-je? Dans une partie du plateau. Donc, le plateau qui est composé de petites... partie de rivière jusqu'à l'océan où il y a d'ailleurs un dauphin qui explique que c'est l'océan. Mmh. Et à part ça, les dessins ils sont mignons, ils sont beaux. Mmh. Le dé, il y en a qu'un. Ouais. Mais pourquoi c'est amusant quand tu joues? Dis-moi pourquoi c'est amusant quand tu joues. Qu'est-ce que tu aimes quand tu joues à ce jeu? Parce que au début l'orange. Ouais. C'était ici, et les gens là, les personnes, les pêcheurs, ils étaient ici. Ouais. Non, on pense comme ça en fait. Ah, parce que c'est stressant. C'est très stressant. C'est excitant aussi. Alors c'est un jeu tout mignon, hein. Vous avez vu qu'au niveau des mécaniques de jeu, c'est vraiment très 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 simple, ce qui explique que ce soit des jeux plutôt pour des enfants de 3 à 7 ans, mais il y a une implication qui est assez amusante. Alors quand Lana était petite, on ne disait pas que les pêcheurs pêchaient le poisson, on disait plutôt que les pêcheurs attrapaient les poissons pour les mettre dans un aquarium, ou pour les mettre pour les garder à la maison comme des petits animaux domestiques. Maintenant qu'elle est un peu plus grande, elle sait que les pêcheurs pêchent les poissons pour faire un bon repas le soir. Enfin bref, c'est un jeu que l'on conseille vraiment pour les familles avec des jeunes enfants. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode avec un jeu très facile comme ça. On espère que ça vous a plu. Donc je rappelle le nom du jeu, Allez Petit Poisson, Tempo Kleine Fische, qui est un jeu édité par Ravensburger. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode de Lana et son papa. Salut !